39e jour de mon challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Je suis ravie de vous retrouver. Normalement, tout fonctionne. Je dois avoir du réseau. Je pourrais mettre tout ce qu'il faut en ligne. Il n'y a plus de soucis. Et ce matin, oh, surprise, j'ai réussi à régler mon problème technique. J'ai même pas eu besoin de demander à quelqu'un. Je m'en suis sortie toute seule. Donc, c'est aussi l'objectif de ce live, de ce challenge, c'est d'apprendre à développer des nouvelles compétences. Et aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais moi, je suis super contente en ce moment parce que ça paraît peut-être un petit détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est simplement, j'ai remarqué en rentrant de congé, puisqu'en étant à la montagne, la nuit tombe plus vite, que là, ces derniers jours, les jours rallongent. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait un bien fou. Alors, je sais qu'on est en plein cœur de l'hiver, qu'on n'est pas vraiment encore au niveau du printemps. Mais en tout cas, je suis ravie parce que c'est quelque chose qui me... Je sais pas, qui me donne la pêche de me dire que le soir on a l'impression qu'on court moins, qu'on revit, d'avoir de la lumière, ça permet tout simplement d'être plus positif, de profiter peut-être un petit peu plus le soir aussi pour pouvoir rentrer tranquillement, etc. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc vous voyez, des fois c'est des petits détails qui changent tout. C'est vraiment ce qui est important, je pense, les détails. Certaines personnes, je rencontre des gens en formation qui sont très perfectionnistes et qui ont tendance à vouloir aller chercher la petite bête. Parfois, ils ont l'impression que pour eux, c'est compliqué. Mais en fait, je pense que les choses, quand on va dans le détail, ça permet vraiment de faire la différence. Et ça va être pareil pour tout, c'est-à-dire que si vous allez dans des bons restaurants, un petit détail va tout changer, une petite attention. C'est vraiment des choses qui pour moi sont essentielles. Alors comme je vous l'ai dit, dimanche c'était mon anniversaire et je suis allée dans un très bel hôtel sur Lyon. Et petite attention avec une petite carte, c'est un détail, mais ça, c'est vraiment important. Et c'est ça qui fait la différence. Donc ces petits détails, peut-être que vous ne voyez pas parce que vous passez votre vie dans le rush, et bien te rendre compte que effectivement les jours rallongent, qu'on a un peu plus de luminosité. Ce matin, je me faisais la remarque aussi d'entendre les petits oiseaux qui chantent. Enfin voilà, c'est des petites choses du quotidien qui sont intemporelles, qui font un bien fou et qui permettent d'aller bien, de sentir dans une bonne énergie, d'avoir de good vibes. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous faire part de ça parce que pour moi, ça change vraiment la donne de me dire, voilà, que le soir, quand on va quitter du bureau, il fait encore jour et c'est toujours plaisant de pouvoir se dire qu'on peut aller se balader, faire un tour avec les enfants, aller courir dans un parc, aller se balader avec le chien. Enfin, voilà, il y a plein de moments qui vont vous permettre de vous dire que voilà, tout simplement, les jours rallongent et c'est presque le printemps. Donc moi, ça me met vraiment en joie. Et peut-être que certains ou certaines vont penser que c'est banal ou futile. En tout cas, moi, je trouve que ça fait du bien et ça met du baume au cœur, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.